à mort. Voilà ce que font les gens du coin. Ils collent l'oreille contre le tronc pour savoir s'il y a des larves à l'intérieur. Et en voilà une. C'est la larve d'un scarabée rhinocéros. On peut la manger crue. Cuite, c'est un délice de la savane, et en cette saison, elle pullule. Pas étonnant qu'il les fasse frire. Ouvrez bien les yeux. Oh là là! Elle doit être là-dedans depuis très longtemps. Très très longtemps. Une fois que je l'aurai avalé, je n'aurai plus besoin de manger pendant une semaine. À poids égal, ce genre d'insectes contiennent plus de protéines que du bœuf ou du poisson. C'est la nourriture de survie par excellence. Je la classerais parmi les pires choses que j'ai jamais osé manger. Et son goût. C'est comme si vous mangez une saucisse faite avec la morve de tous vos amis. Quelle horreur.